Alors le festival il s'est monté en 2007, le vrai Berzik, mais bon la première grosse fête qu'on a fait c'était en 2006 pour une fête de la musique dans les terres du château en fait. Voilà. Mais c'est 2007 la première édition qu'on a faite dans les lieux. D'accord, et donc comment a évolué le festival au cours des années? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Au départ, c'était vraiment une bande de copains, on ramenait le matos un peu personnel qu'on avait, on se débrouillait avec ce qu'on avait. C'était un peu compliqué à tout monter logistiquement, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, sur une bonne, sur 5-6 ans, on va dire, on a commencé à se dire qu'il fallait un coup de main avec des entreprises un peu locales, que ce soit pour la régie son, etc. Avoir un petit peu quelque chose de correct. Le but du jeu étant de faire monter des musiciens amateurs sur une scène professionnelle. Au bout d'un moment, on n'avait plus rien du tout pour faire une vraie scène professionnelle comme nous on l'entendait, quoi. Les valeurs qu'on défend, en fait je sais pas si on peut parler de valeurs ou de quelque chose d'éminemment logique, mais en tout cas nous c'est ce qu'on prône. Et c'est ce que je disais il y a pas très longtemps à un journaliste justement, c'est qu'une société heureuse et harmonieuse c'est avant toute chose une société qui partage. Et au final, c'est certainement là notre objectif principal, quoi. Ouais, non, c'est un boulot énorme. C'est la majorité des gens pensent que voilà, c'est un petit boulot d'une semaine ou deux, montage de site, montage de structure, montage scénique. En fait, c'est un boulot de un an. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre notre 16e année, notre 14e édition. Et on est déjà en train, depuis ce matin, même hier soir, de reprévoir l'édition qui va suivre. Comment on fait la programmation? C'est complètement collectif. On a un fonctionnement qui est collégial, c'est-à-dire que les groupes candidatent, ou alors nous, on apporte nos idées par nos réseaux respectifs. À partir de là, on fait une écoute globale avec l'ensemble des conseillers d'administration. Et on tranche exactement comme ça se passe dans un hémicycle démocratique. On vote à main levée et les groupes qui remportent le suffrage sont programmés. Alors cette année, c'est une année ultra éclectique. Je pense même que ça doit être l'année la plus éclectique qu'on ait vécue en 16 ans. Alors là, je veux dire, bon déjà, on avait de la techno hier soir, c'était absolument la première fois. On a eu de l'afro-jazz, de l'afro-beat. Là, aujourd'hui, on a du reggae. On a même, je dirais, à la Bizaine, qui est un espèce de mixte un peu indéfinissable, mais qui s'oriente sur le reggae, qui est un petit peu, qui a un truc d'un peu HK et les saltimbanques, avec un petit mélange de Brassens ou de Renault. Enfin, c'est un truc exceptionnel. On a du rock, on a du grunge, on a du punk, on a de la chanson française. Ouais, on a vraiment tout. Deux choses à prendre en compte. Alors le bénévolat, c'est juste le nerf de la guerre. J'ai même envie de dire que c'est notre plus gros financement. Il faut que les gens n'oublient pas une chose, c'est que le bénévolat, c'est donner de soi-même, c'est donner du temps de sa vie au profit du collectif et donc du bien public. Ça, c'est, je veux dire, c'est, on ne peut pas le quantifier. Il n'y a aucune subvention, il n'y a aucun fonds propre qui sera plus important que ça. C'est grâce à ces gens-là qu'on arrive à faire vivre ça. Des gens qui se défoncent, qui prennent du temps, qui sont épuisés, parce que malgré tout, ça reste un boulot monstrueux. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, et c'était Polo qui à l'époque avait lancé avec Aurel, notamment avec Marie Liès et d'autres, le principe d'embaucher des techniciens. Donc au préalable, on n'avait pas de techniciens, c'est-à-dire c'était des potes. Bon, même si un certain nombre d'entre nous viennent du monde du spectacle, donc on a un certain nombre de compétences, mais c'était avant tout des potes qui étaient de bonne volonté, qui filaient un coup de main. Depuis plusieurs années, ce sont des intermittents du spectacle, techniciens, sondiers, lighteux, rose, runner, etc. On a fait le choix depuis cette année d'embaucher en direct nos techniciens pour des tonnes de raisons. On a 7 techniciens et techniciennes pour des tonnes de raisons. Bah, d'une part, encore une fois, pour notre indépendance, hein, ce que disait Polo tout à l'heure. Alors, vraiment, on aime bien, nous, on est le Berzik, on n'est pas comme les autres et on veut surtout pas être comme les autres. On a un job aussi, je veux dire, une association et un festival, ça a aussi des devoirs auprès de la société. Hein. Une association, c'est justement des gens qui s'associent. Donc notre job, c'est aussi de filer du boulot à des gens ici, quoi. Parce que si on file du boulot, on fait vivre la société qui nous environne. Si on fait vivre la société qui nous environne, c'est une société qui est plus harmonieuse. D'accord. Et au niveau du profil des bénévoles, donc, tu m'as parlé de la technique, mais il y a énormément d'autres choses que ça englobe. Il y a absolument de tout. C'est indéfinissable. On va avoir des retraités, on va avoir des jeunes, des moins jeunes.
des gens qui viennent de tous les horizons. On a des gens qui viennent du secteur médical, on a des gens qui viennent du secteur de l'éducation, on a des gens qui viennent de l'EDUXPE, on a des gens qui viennent du tertiaire, de l'industrie, du privé, de l'associatif, moi par ailleurs. Alors le lieu dans lequel se déroule le festival, c'est le château de Berzilsec. Ça a toute une histoire dont on pourrait parler des centaines d'heures. À la base de la base, c'est un promontoire, c'est un promontoire rocheux, c'est un donjon 10e-11e siècle qui, au fur et à mesure des siècles et des années, s'est développé. Il y a eu une seconde phase de construction au 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle, 16e siècle. Un remantèlement partiel au 18e, au 19e, ce château est devenu une ferme agricole. Et au 20e, l'enfer de la guerre a sonné le glas de l'histoire du château. Et aujourd'hui, il revit grâce aux associations qu'ils font vivre par tous les moyens. La SPAM, qui est une association qui bosse depuis plus de 20 ans sur sa restauration. Bah, la nouveauté, c'est les deux jours. Je veux dire, on a passé 15 ans sur un jour, enfin avec 2 ans de Covid. Hein. Le monde s'est arrêté pendant 2 ans. D'ailleurs, on ne se souvient plus trop de comment ça s'est passé. Tout ça, ça a été un raz-de-marée qui a tout embarqué sur sa route, dont nous. Bon, on s'est relevé. La plus grosse nouveauté, c'est les deux jours. Pourquoi ? Bah déjà, ça fait quelques années qu'on avait envie d'aller plus loin. Et puis là, on s'est dit 2 ans à l'arrêt. Bah, on casse la baraque, on fait 2 jours. Ensuite, vient la question des 2 euros. Pourquoi 2 euros ? Bah, parce que 2 ans de Covid, comme on l'a dit, nous, on reste une association. C'est des centaines d'heures de boulot. Pendant que le monde s'arrête, les associations comme les entreprises continuent de fonctionner. Bah, y a des frais, il y a de la perte financière, il y a des subventions mises à l'arrêt. Et on avait besoin, entre guillemets, de demander cette somme qui nous paraît symbolique et accessible à tous pour espérer s'en sortir au mieux et pouvoir se relancer et ne surtout pas prendre le risque de mourir sur cette relance. Quoi. Et autrement, donc on est à Berzilsec, donc une commune de 400 habitants, je crois. Ouais. Quel a été le ressenti de la population locale qui vit ici ? Alors depuis le départ, quand vous êtes arrivé, et puis maintenant, comment ça se passe ? Parce que d'un coup, le village passe de 400 habitants à... 3 000, quelque chose comme ça, en gros, si on compte tout le monde. Hein. Je vais peut-être laisser la parole à Polo pour les débuts et le ressenti. Il est évident qu'au début, on n'était pas très nombreux, donc l'accueil s'est fait plutôt chaleureusement, sur une fête de la musique, donc on fait un petit événement, tout ça très bien. Et effectivement, sur les quelques premières années, on s'est peut-être même fait un petit peu dépasser par l'événement. Quoi. Beaucoup de gens sont venus au bout de 2-3 ans et là on s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Quoi. Après la commune de Berzy, elle est super ouverte et toujours des solutions. Donc on a réussi à créer un petit parking, etc. sans que ce soit trop le brin dans le village. Parce qu'il est vrai qu'au début, bah, c'était un peu plus anarchique, hein, faut l'avouer. C'était compliqué de gérer la situation sur la voirie, etc. Bon, depuis, bien sûr, on est accompagné un petit peu...